génial. C'était super. Hein, on s'est amusé, on a créé une maquette, on a fait plein d'activités. C'est vraiment super de pouvoir réaménager l'espace ado avec des ados, justement. Ça permet de mettre tout ce qu'on veut dedans, on peut tout imaginer, tout est écouté. Ce sera peut-être pas tout fait, mais c'est super. On peut penser tout ce qu'on veut, créer tout ce qu'on veut. C'est génial. Et du coup, si vous deviez retenir qu'une seule chose de cette journée et des projets qui ont été présentés, ça serait quoi ? Je dirais le moment maquette. Moi aussi, la maquette, c'était vraiment le plus amusant parce qu'on pouvait créer et inventer tout ce qu'on aimerait, toutes les choses de nos rêves, tout ce qu'on pense, ce qu'on aime, quoi. Bah, c'était trop bien. Bah ouais, c'était bien, il y avait plusieurs activités, puis la maquette surtout, c'était super bien. C'était une bonne idée. Ouais, on a pu manger aussi des bonbons, donc c'est c'est super important, puis, les bonbons. Ouais, et la pizza. Ouais, et puis c'était cool la maquette, puisqu'on va pouvoir rénover le coin d'eau et avoir des nouvelles choses. Ouais, c'est bien aussi de mettre nos idées. Voilà, et c'est cool qu'on nous ait demandé à nous de... Bah, et que ce soit pas que les bibliothécaires qui voilà. Fait cette coin. C'est chouette. Et si vous deviez résumer en un mot cette journée, vous diriez quoi ? Deux mots, ça marche ou pas ? Deux mots, ça marche. Trop bien. Chouette. Je dirais utile parce que du coup, bah, après, on va pouvoir avoir le coin ado et du coup, c'était cool. Et puis, c'était drôle aussi. C'est chouette. C'était bien. C'était génial. C'était bien. C'était drôle. On a appris des nouvelles choses à propos de la bibliothèque, ce qu'ils allaient mettre en place et tout. Je trouvais ça bien. Si vous deviez garder juste une seule chose des projets qui ont été proposés, ça serait quoi ? Un seul élément ? La maquette. Ouais. La maquette aussi. D'accord. Donc voici Kaina, qui était quand même l'aînée du groupe. Oui, bah oui, j'étais celle de 16 ans, du coup, et ça allait... J'en avais jusqu'à 15 ans, grand max, je crois. Ouais, ça fait un peu bizarre. T'as géré, t'as apporté une super énergie à ton groupe, et enfin, tout le monde a apporté une super énergie. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de cette journée, Kaina ? Wow, tellement chaud, c'était tellement bien que ça va être compliqué à décrire. C'était hyper intéressant, c'était amusant, c'était super bien. En même temps, il y avait des bonnes personnes avec qui on pouvait bien s'amuser, qui disaient que c'était animé aussi, que c'était bien, que c'était pas trop calme non plus, mais pas trop agité, et qui n'étaient pas trop irrespectueux, on va dire, parce que souvent, ils viennent... Il y en a qui viennent à ce genre d'activité, mais ils ne sont pas assez respectueux. Là, j'étais vraiment contente. Les bibliothécaires ici sont super sympas, je les adore. Tu vas me faire pleurer. Mais ouais, j'ai vraiment aimé. En plus, j'ai toujours aimé les bibliothèques, tout ça, les livres. C'est une chose que j'ai vraiment toujours aimée. Et j'étais un peu déjà au courant aussi, on va dire, au début, grâce à mon stage ici, qu'il allait y avoir une rénovation de la bibliothèque. Et... Ouais, j'ai trouvé le concept hyper bien et le fait de proposer de faire ce genre de choses, c'était vraiment super. C'est vraiment amusé. Bah, c'était bien, c'est quand même bien amusé. Il y a eu beaucoup d'activités. J'ai bien aimé les jeux qu'on a fait, le Time's Up, les cartes de Dixit, je trouvais ça bien. Oui, le Time's Up, c'était trop bien. Et le chamallow aussi. Oui. Ah, c'est vrai que vous avez gagné le Chamallow Challenge. Vous avez en face de vous l'équipe vainqueur du Chamallow Challenge. Et du coup, qu'est-ce que vous avez aimé particulièrement sur la maquette que vous nous avez proposée ? Si vous deviez garder qu'une seule chose, qu'un seul élément, ça serait quoi ? L'escargot géant. Oui, c'est vrai que ça, c'est bien. Ça nous a bien fait rigoler. Les petites plantes qu'on a posées sur ce qui était censé être les étagères qui tournent. Ouais, les... Ah oui, les étagères qui tournent, c'est bien, c'était avec super. Les plantes. Du coup, vous avez hâte de voir le résultat en vrai ? Bah, ouais, parce que quand même, on a quand même participé à l'aménagement. Donc, Je me demande bien ce que ça va donner. Ouais, on a tous et toutes hâte, je pense. Super, bah merci beaucoup les filles. Bien.